Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Bienvenue au 66 rue Gaston Leroux, un immeuble quelque peu banal vu de l'extérieur, mais qui réserve de belles surprises si on se rapproche de plus près. Je me présente, Georges Bonheur, je suis le créateur de ce bâtiment construit en 1970. J'y ai posé la première et la dernière pierre. Chaque pièce est une partie de moi, chaque étage une vertèbre de ma colonne. Chaque habitant, une goutte du sang qui me fait vivre. C'est pourquoi je serai pour vous le narrateur de cette histoire. Vos yeux et vos oreilles, le conducteur d'un fil rouge qui vous mènera au dénouement final. Cet immeuble a vu passer de nombreux personnages. Certains y sont depuis sa construction, d'autres viennent d'arriver. Certains y sont restés longtemps, d'autres sont vite partis. Ce lieu regroupe autant de diversité que de secrets. Et l'histoire que je vais vous raconter est la plus folle de toutes. Mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps. Lançons-nous dans cette aventure qui commença soudainement par un pétage de pile là. Emna, l'électricité. Pouvons-nous discuter dans le calme, s'il vous plaît? Oui, Emna. Ça sert à rien de râler, moi aussi j'ai le même problème. T'en aurais pas une deuxième comme celle-là? Oh oui, pour moi. Oh non, toi, la lumière, c'est dans la tête qu'il te la faut. Stop! Écoutez, on risque de rester dans le noir un petit moment, donc va falloir être patient et se serrer les coudes, ok? Comment ça, un petit moment? Moi, j'ai ma famille qui vient demain. Et on est tous dans la même merde, Chantal, donc pense aux autres. Vous tous, pensez aux autres. Bon, puis ça sert à rien de rester ici. Je vais aller jeter un œil au disjoncteur au cas où je peux faire quelque chose. Allez, restez pas là, remontez chez vous. Oh. L'ascenseur. Bah qu'est-ce que tu veux, Gustave? Emna, je peux venir avec toi? Hein? Pour le... disons... le... Oh, et puis merde, allez, vas-y, viens. Ouais, bien. Gustave! Oui, pardon. J'arrive. Vous avez mangé ce soir, Emna? Pardon? Ça vous dirait de manger avec moi? Aux Andelles? Et vu qu'il n'y a plus de lumière. Oh, Gustave, encore une fois, t'es mignon, mais je peux pas. Et pourquoi ça? Bah, j'ai beaucoup de travail et ce problème-là va m'occuper toute la nuit.
Mais quand ce sera réglé, on organisera un repas avec tout le monde, promis. Je vois, je vois. Emna, là, j'ai entendu quelque chose, là. Mais c'est les ascenseurs, ils sont sur batterie externe. Viens, c'est ici. Je crois qu'il faut appeler la police. Ok. Et pourquoi tu penses qu'il s'agit de quelqu'un de l'immeuble ? Il n'y a que les habitants qui possèdent la clé pour aller au sous-sol. Ça me fait mal de dire, mais je vois pas d'autres possibilités. Ouais. Il y a d'autres caméras de sécurité dans le camp ? Non. C'est qu'on les a installées et aucune ne marche. Comme les codes dans l'ascenseur. Ça dépense, et au final, rien n'est réglé. Bon, et t'as fini, Jura ? Excuse-le, hein, il est nouveau. T'inquiète, j'ai d'autres problèmes. Jura, reste tranquille 2 secondes, s'il te plaît. Désolé, chef. Est-ce que vous avez une idée de l'heure à laquelle a eu lieu la coupure de courant ? J'ai fait une sieste hier donc vers 18h et à mon réveil l'électricité avait disparu. Et vous avez appelé les réparateurs ? C'est la première chose que j'ai faite, mais ils sont fermés. C'est un problème d'électricité de toute façon. Bon mais ce fait tard, on ferait mieux de se dépêcher. Si tu ne vois pas d'objection, on va aller interroger les locataires du premier pour chercher une piste, hein ? Allez, on y va. Vous deux, mais vous croyez sérieusement qu'ils vont vouloir vous répondre avec vos gueules de flic? Et Dali, sans vouloir te vexer, la dernière fois que t'es venu ici, t'as pas laissé un bon souvenir. Donc t'es pas le bienvenu dans l'immeuble. S'il te plaît, Emna. Je dis juste. Je fais juste mon travail. Oh mon Dieu, je vais vous accompagner. Vous savez pas dans quoi vous vous lancez. Bon, on se dépêche ou quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est la police. Excusez-nous, vous venez ranger, mais nous aurions quelques questions à vous poser. Je suis obligé de vous répondre ou je peux directement vous claquer la porte à nez ? Oui, vous avez résolu le problème d'ascenseur ? C'est mon fils ! Qu'est-ce qu'il a encore fait, cette sous-merde ? Il voulait la police, il n'en fait rien, c'est une personne honnête. C'est quelqu'un qui vient à disparaître la gente honnête. Alors, vous avez résolu le problème des poubelles ? Chantal, c'est la police ! J'en ai marre, moi. Monsieur, j'en ai marre des chats, j'en ai... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier ? Ah frère, j'en vois tous les jours. Allez voir ailleurs ! Non mais monsieur, c'est... Allez. Ciao, ciao ! Excuse-moi. Vous comprenez ce que je dis, madame ? Non, partez ! Partez ! Madame ! Ah ben vous savez, à cet étage, les choses bizarres, c'est pas ce qui manque, hein. Bizarre ? Et qu'est-ce que vous entendez par là ? Ah, mais c'est que des rumeurs, hein, moi des ça rumeurs? Me gêne... Quel genre de rumeur, s'il vous plaît, madame ?
Oh non, mais non, mais... S'il vous plaît, madame, ça nous aiderait beaucoup sur ce coup-là. Eh bien, voyez-vous, on raconte des choses étranges au sujet du docteur Milord. Le docteur Milord? Ouais. Qui c'est ça, le docteur Milord? C'est peut-être pas plus mal. Il me fait peur, ce gars. S'il te plaît, Emna, je te connais plus courageuse que ça. Bon. Approchez. Pas beaucoup quand les histoires commencent comme ça. Suivez-moi. Approchez. 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 Ce serait pas mieux d'attendre à l'extérieur, chef. Chut. Approchez. Approchez, messieurs. Bonjour, Emna. Bonjour, monsieur. Je suis le lieutenant Dali. Et voici mon collègue. Je sais qui vous êtes. Oui. On a eu quelques échos de vos facultés à prédire l'avenir. Monsieur Milord, nous aurions quelques questions à vous poser. Que faisiez-vous hier soir? J'étais à la même place que maintenant, monsieur Dali. Qu'est-ce que quelqu'un... Non, jeune homme! Je vis seul. Personne ne pourra vous confirmer. Pas même Léo. Léo? Qu'il soit comme ça, là. Merci de nous rassurer, Milord. Vous pouvez pas plutôt nous dire qui est à l'origine de tout ce bordel? Que vous est-il arrivé là-bas? Léo m'a griffé hier soir. Il est vraiment pas commode en ce moment. Il est vraiment pas commode en ce moment. Ça va s'arranger. Je ne crois pas. Non. Difficile d'y voir clair dans cette affaire, n'est-ce pas? Laissez-moi mettre les choses au point. À la vue de ces boîtes aux lettres aspergées de sang, ce cri terrible est sorti de la bouche de cette pauvre femme. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Vous ferez sa connaissance plus tard. Le coupable a déjà agi deux fois. Cette fois, il versa du sang. Et ce n'est qu'un début.